Salut, dans cette mise à jour, je présente un développement nouveau dans mon réseau neuronal, dans mon perceptron, et c'est à la fois un développement nouveau dans l'application de ce réseau neuronal. Alors, j'y introduis une composante de compétition entre neurones. J'ai essayé de remodeler mon réseau neuronal de façon à créer une sorte de, de quatre sentiers synaptiques parallèles qui à un certain point entre en compétition. J'ai mis dans la structure du réseau un neurone final, un neurone de sélection qui détermine la condition ou les conditions de compétition. Et, et c'est en même temps une composante de ce qu'on appelle la programmation génétique, c'est-à-dire les résultats de compétition dans une génération donnée de mon perceptron ou dans une ronde d'expérimentation détermine les conditions de compétition dans la ronde suivante, dans la génération suivante. Donc, euh, nous avons à la fois une, une composante de, de compétition et de changement génétique. Et j'ai appliqué cette structure logique nouvelle à un, à un sujet qui est mon sujet de recherche, je dirais, phare favori, c'est-à-dire l'efficience énergétique et des économies nationales. Cette fois. J'ai pris sous ma loupe euh, la plus grande économie du monde, donc celle des États-Unis et leur efficience énergétique. Dans cette mise à jour, vous pouvez voir des scénarios intéressants qui émergent et à partir des, je dirais, différentes stratégies de compétition dans le réseau neuronal. Et comme c'est d'habitude le cas. Lorsque je regarde les résultats qu'a qu produit mon perceptron, je me demande ce qu'ils ce qu peuvent bien vouloir dire, parce que très souvent c'est surprenant. Ce que je vois, c'est une structure logique tout à fait répétitive qui essaye d'appréhender, j'aimerais je, 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 dire, des cas, des, des cas différents de surpopulation aux États-Unis. Et ça démarre avec une surpopulation, je dirais gentille. Et ça va jusqu'à une, une surpopulation tout à fait sauvage. Pour, pour tout vous dire, euh, mon Perceptron a produit un scénario où les États-Unis ont euh, 1,6 milliard d'habitants. Donc euh, beaucoup, beaucoup plus que maintenant. Alors je vous souhaite, toujours, comme toujours, une bonne lecture. Un bon jeudi après-midi.